Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le samedi 24 juillet 2021 et nous sommes sur la plage d'Oulgat en face du casino. Donc aujourd'hui on a une petite tente, voilà, qui donne sur la mer et on a de la chance parce qu'on est entre deux averses et en fait là il fait super beau. Ma fille est avec moi, donc je suis très heureuse, parce que je la vois pas souvent. Elle est en train de faire un bracelet brésilien, et je m'étais dit que ce serait sympa qu'elle nous explique comment nous procédons pour faire ce petit bracelet. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en fait comment tu fais le bracelet ? Bah là, il a bien commencé. Alors, le début, on fait comment ? Le début, c'est ce qu'il y a de plus dur, hein, je peux pas vous montrer. Mais en gros, il faut prendre des fils de 3 fois la taille d'une règle de 30 cm. 3 fois la taille d'une règle de 20 cm. Donc c'est 3 fois 20. 3 fois 20 cm. 60 cm. 60 cm de fil, il y a combien de fils ? Des fils de coton ? 60 cm de fil. Après, il faut choisir ses fils. Plus on prend des fils, plus le bracelet il sera grand. Là, moi j'en ai pris 5 différents. J'ai pris 5 couleurs différentes. 1, 2, 3, 4. Non, j'ai pris 5 couleurs différentes. Là, il y a combien de fils là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est 10. Ça, 5 couleurs différentes. 5 couleurs différentes. Et donc j'ai plié en 2. Donc ça fait en double, ça fait 10 du coup. Donc tu as fait 5 brins différents. 5 brins différents de 60 cm chacun. Ensuite, on les plie en deux. On fait un nœud au bout. Ouais. Et donc, ça les double. Donc, on fait un petit nœud au bout. Voilà, ici, là. Et donc, ça fait doubler les fils. Donc, ça fait 5 et 5. Ça fait 10. Mais 5 couleurs différentes. Ok, donc c'est le système de tissage, j'imagine. Alors, et après, une fois que le nœud est commencé, le début est un peu dur. Il faut faire... À la base du gros nœud, il faut commencer à faire des nœuds. Et en gros, il faut mettre les fils dans l'ordre dans lequel on veut que les couleurs apparaissent. Et après, c'est assez simple. Il faut prendre celui qui est en premier, qui arrive en premier, qui est tout à gauche. On prend le deuxième juste à côté. Et on fait passer le premier fil qui est le plus à gauche au-dessus du deuxième et on fait une forme de 4. Ça fait un 4 comme ça. Tu vois un 4 ? Voilà, 4. Ah, la figure, d'accord. Voilà, ça fait un 4 okay. Et celui qui est tout à gauche, il passe toujours au-dessus. Et ensuite, il passe dans la boucle en dessous. Il va en dessous. D'accord, OK. Voilà, au-dessus puis en dessous. Donc c'est un nœud en fait. Voilà, on fait un nœud et qui vient par-dessus le deuxième fil. D'accord. Et après, on tire jusqu'en haut. On tire vers le haut, en fait. Et donc, ça fait le bleu qui était tout à gauche qui va par-dessus le deuxième, le jaune. Okay. Voilà. Et on fait ça deux fois. Encore deux fois. Le donc, 4. Le bleu sur le jaune, là. Donc, toujours avec le doigt, on passe au-dessus, puis en dessous. Ouais. Comme ça. Et on tire jusqu'en haut. D'accord. Voilà. Et on tire pas trop fort. OK. Voilà, et ensuite on écarte le deuxième fil et on garde toujours le fil, le tout premier. Le tout premier, il va faire la ligne en fait. Il va faire une ligne. Là, c'est un bleu clair. Et ben, je vais faire une ligne de bleu clair. Alors vas-y, comment tu fais pour continuer alors ? Donc je prends le suivant. Et là, il est bien commencé, du coup, c'est pas facile à voir. Mais pas grave. Je prends le suivant. Voilà. Je vais mettre dans le vent. C'est un bleu marine, c'est ça ? C'est un bleu marine. Hop, je passe au-dessus puis en dessous. C'est le bleu ciel qui est par-dessus ? C'est le bleu ciel qui est par-dessus. C'est le même process. Et je fais ça avec tout. D'accord, tu fais la même chose sur tous les autres fils. C'est-à-dire que le jaune est remplacé par les autres couleurs. Voilà, lui, hop, il est fait, je le mets sur le côté. Toujours deux aussi ? Toujours deux. Deux nœuds. D'accord. Voilà. Ok. Et après, je continue. Là, je prends le vert sapin, hop, je passe par-dessus puis en dessous et je monte, hop, je passe par-dessus puis en dessous et je monte
Voilà, lui il est fait, je le mets sur le côté. Ensuite le suivant c'est le blanc, ainsi de suite. Donc ça va créer une ligne du bleu ciel. D'accord. Et ensuite le bleu ciel il arrivera en dernier. Et donc la ligne suivante ce sera le jaune qui était en deuxième position. Et tu fais la même chose à chaque fois. Et je fais la même chose à chaque fois, c'est okay, très simple. Ok, super, fais voir comment ça donne. Attends. Oh là là, c'est magnifique. Super, voilà, bah, là j'ai fait qu'une partie. Ok, continue, je l'ai lu. D'accord, merci Elena. Bon, bah je vous souhaite un bon week-end. Bisous.